les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve sur Farming Simulator 2013 dans une nouvelle map que je viens de démarrer il y a peu de temps. C'est une map qui devrait se situer dans les Alpes. Donc là je fais un petit tour, c'est l'endroit où on arrive dans la carte. Qui voilà. Je pense que là où se trouve tout le monde blanc, dans un truc dans le bas. Voilà. Je vais aller chercher la moissonneuse. Voilà. Franchement, je la trouve plutôt bien faite. Nous allons aujourd'hui aller moissonner un champ de blé dans dans cette map dans les Alpes. C'est ce qui est marqué. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit marqué ça, mais la map est plutôt jolie, je l'ai pas vu bien, je l'ai vu vite fait en 3 temps 3 mouvements, parce que je vais démarrer 2 minutes pour sauvegarder la partie et puis après je suis en train de tricher un petit peu juste pour acheter cette moissonneuse et cette barbecue. Le champ numéro 1 comme vous voyez sur le pad. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop de véhicules. Parce que cette map, le truc que je vais vendre certains autres, mais on a beaucoup de véhicules qui ne servent pas beaucoup. Donc je vais essayer de prendre le maximum. Parce que Dieu ne pense pas montrer. Donc je vais ranger tout ce qu'il y a. Pour que j'ai besoin de tout ce que j'ai pour déjà avoir un peu de sous. Parce que j'ai besoin de. Maintenant ça va aller un petit peu plus vite je pense. Voilà. Donc du devant du champ numéro 1. Comme vous voyez, c'est Alpen, donc je pense que c'est Alpen. Voilà. On a tout sur là, à mentionner, le numéro 1. Et on a quand même pas mal de véhicules, là, j'en ai vendu un peu pour que vous soyez un peu plus débile. Mais là, il y a un peu plus vite parce que j'ai pas un ordinateur de compète, donc. Il faut que j'utilise un minimum de véhicules. Putain, les rails de kilomètres sont finis. La map, je vous le dis, c'est une facilité, donc on va la visiter en fait. Oh, je sais pas si. Je pense. Non, donc voilà, nous allons la publier ensemble parce que j'ai un des trains qui passe en plus. Je ne l'ai pas publié. Enfin, pourquoi il est bien fait.
cette map est plutôt bien faite. Ah, je passe pas. Shit. Si je passe, je sais pas si je passe pas. Je passe pas. Ce que je vais faire pour éviter de m'emmerder là, on va réinitialiser ça et on va réinitialiser ça aussi. Voilà, comme ça au moins on est bon. Ah ouais, par contre ça c'est un petit peu dérangeant le fait qu'en gros on soit ramené dans un champ. Ça fait un petit peu bizarre, d'habitude on est ramené dans l'histoire de faire des trucs comme ça et là on est dans un chou. Allez comprendre pourquoi on est dans un chou. Un peu plus à gagner la vidéo. Donc nous allons au champ numéro 1. En même temps, ça nous fait un peu limiter le champ de la map. Donc voilà, là je vais aller pour le corps de terre. Il y a des vaches qui doivent se trouver ici. J'ai l'impression que la carte est un peu pas bonne par rapport à... Mais bon, passons. Je pense qu'il va être un peu plus... La map est plutôt bien faite du coup. On va après le bug un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'avec les textures qu'il y a dessus, il y a certaines choses qui sont vraiment très jolies. Mais tout clairement, moi c'est
une map très jolie que je découvre aujourd'hui. Presque aussi jolie, on va dire, même peut-être aussi jolie, pas presque, aussi jolie que la Eglinton ou Belgique profond, des trucs comme ça. Une bonne map. Il y a juste un truc, mais ça c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de difficultés au départ. Le fait d'avoir beaucoup de véhicules, c'est je pense un truc qui fait que le jeu bug beaucoup. Mais sinon à part ça, c'est une très bonne map. Très très bonne map. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si par exemple c'est une map sur laquelle vous voudriez jouer, si c'est une map sur laquelle vous voudriez que je vous fasse une vidéo ou je ne sais quoi, parce que je pense que cette map, à part le fait qu'elle bug un peu, elle est plutôt jolie. Aussi c'est vraiment une moissonneuse que j'aime bien. Cette moissonneuse, c'est une moissonneuse que j'adore. Parce que voilà, on n'en trouve pas beaucoup des moissonneuses comme ça. Bien la coupe surtout. Ouais, j'en ai pas encore trouvé comme ça des moissonneuses qui soient comme celle-là, exactement comme celle-là. Voilà. Donc c'est pour moi un truc que j'aime bien. Voilà. Parce qu'il y a très peu de barres de coupe. Moi c'est surtout voilà la barre de coupe qui j'adore dans cette moissonneuse, parce que justement comment dire, en fait c'est vraiment une moissonneuse qui est de bonne qualité quand même pour un rendement optimal, parce que là en gros cette coupe elle fait 13 mètres et en plus l'avantage c'est que même dans Belgique profonde par exemple elle est très 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 économique, bien parce que dans en temps je parle, parce que par exemple dans Belgique profonde quand on a une coupe on peut pas ni mettre sur une remorque ni mettre nulle part en gros. C'est un peu difficile pour naviguer dans les petites rues de Belgique profonde. Alors que celle-là, avec cette coupe, on peut accrocher à l'arrière, qui fait remorque en même temps. Voilà, on arrive, tac tac, on plie, on déplie, on replie, et hop, oh shit. Voilà. Donc c'est vraiment une moissonneuse que j'adore. Mais cette map elle est plutôt bien faite quand même, parce que quand je vois que le train passe, c'est même pas le même train que d'habitude il me semble.
que sur la map de Wiri. Parce qu'il y a aussi un train qui passe, il me semble, dans la map de Wiri. Moi, je suis pas allé voir quand c'est qu'il passe, quand c'est qu'il passe pas, du coup. Mais il me semble qu'il passe. Bon, mon jeu, là, il rame un petit peu, même un petit peu, du coup. Mais c'est que mon ordinateur est pas au top du top. Mais bon... C'est vrai que si j'ai beaucoup de mods, mais bon, je pense pas que ça joue beaucoup, donc là j'ai même pas un seul mod. Donc ça c'est pas... Ça, cette moissonneuse là ne vient pas d'un mod. C'est un mod, mais c'est un DLC de Lux Farm. Pas de Lux Farm, des fermes simulator du groupe, quoi, de ceux qui ont fait le jeu, quoi. C'est dans le DLC Titanium. C'est un très bon pack, un très bon DLC. Je pense que c'est le meilleur. Mais voilà. Moi, si me dérange, j'ai payé 14€ pour avoir ça. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Quand on voit 14€ juste pour avoir. 3 moissonneuses en plus, 3 barres de fou avec celle de maïs, une ensileuse, 3 coupes d'ensilage, pour 4 coupes d'ensilage en plus, une valeuse ronde, et voilà, il y a 2-3 trucs qui sont pas très intéressants là, dans ce truc. Enfin, je pense qu'en fait la map elle doit bugger parce que elle doit. En fait il y a beaucoup trop de trucs dessus. Parce que comme on a vu tout à l'heure, il me semble. Graphiquement, cette map doit être très très lourde. Parce que il me semble qu'il y a beaucoup de pavés dans. Il y a beaucoup de pavés dans la. Un peu de partout, mais c'est vrai que moi je la trouve plutôt bien cette map, franchement. Bon là je l'ai pas encore visité, on fera un petit tour à la fin, certainement on pourra, on verra bien, voilà, après, dès que j'ai fini, dès que voilà, j'ai fini de moissonner, on va aller faire un petit tour on va aller faire un petit tour sur la map, on va aller visiter un peu parce que je suis comme vous, je la connais pas. Pour ceux qui ont fait déjà joué, hein. Voilà, je connais, j'ai vu ce que j'ai vu avec vous, je n'ai pas vu plus ni moins, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites moi si vous voulez que je change 2-3 trucs, que je j'innove un peu, que je fasse des trucs un peu plus que là en gros ce que je fais une opération par map à peu près, et peut-être qu'au bout d'un moment bah, je reviendrai sur une map parce que les maps c'est pas éternel, donc il n'y en a pas autant qu'on veut, donc voilà. Moi c'est vrai que voilà, cette map je l'adore, j'ai pas vu grand chose mais déjà je l'aime bien, c'est pas une petite map voilà, non. Qui reprend sur une autre, bah j'en ai pas vidé comme ça encore. Bah en fait c'est vrai qu'elle reprend 2-3 choses je pense de Magic Profonde par exemple, ou de Chronicleur, hein. Mais voilà, je pense que
cette map des Alpes là est vraiment très très bien. Elle est bien faite. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle mérite le coup d'être utilisée sur le coup. Même si bon, il y a quelques trucs qui sont un peu lourds. Et que, mais après peut-être qu'il y a une mise à jour, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai toujours pas fait. Donc c'est puis il y a eu une nouvelle map, comme ça, la même une mise à jour, quoi. Ouais, on va bien faire une mise à jour. Et donc voilà, je sais pas, mais c'est possible. Après, donc là ce que je vais faire, si j'espère avoir fini quand, avant que lui il soit plein, mais s'il est plein avant, on va aller faire un petit tour avec un tracteur, ou non, mieux que faire mieux. Je vais faire mieux que faire un petit tour en tracteur. On verra après, vous verrez. Parce que là je viens juste d'y penser. Je vais vous montrer des modes, il y a un certain mode que j'ai et que je trouve vis-à-vis de mon métier, vis-à-vis de pas mal de choses que j'adore. Par rapport à mon métier, par rapport à mon métier, je travaille. Donc. Plutôt par rapport à, voilà, à ce style-là. Voilà, j'espère que je pourrai finir. Si je peux pas finir, je vais faire un petit tour en voiture, un petit tour avec vous. Voilà, j'espère que les vidéos que je fais aussi vous plaisent, parce que je me donne quand même un peu de mal. Donc voilà, j'espère que... Surtout que tout ce que je le fais seul, ou avec un collègue pour certaines choses, comme l'hebdo du routier. Mais bon, l'hebdo du routier, je l'ai fait tout seul, mais... Ben, la plupart des épisodes, j'ai peut-être qu'un épisode qui m'a fait deux ou deux, je sais pas. Mais en gros, comment dire, c'est pas les pauses du routier qui, où j'ai fait plutôt un deux, qui serait plutôt Extreme Tracker. J'avais fait beaucoup à deux, maintenant j'ai un peu réduit. J'ai un peu réduit, je fais plutôt en solo. Bon, voilà. Parce que je ne sais pas, on doit être plus fort et plus... Donc j'espère quand même que le fait que je me donne du vrai et que je donne le maximum, même si c'est bon, je m'améliore encore, et que je pense m'améliorer plus tard, si ça vous plaît, et que ça vous donne envie que j'en fasse plus, si ça me donne envie que voilà, j'améliore les qualités de vidéo, mais tout le reste. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à aimer,
et à vous abonner si vous aimez les vidéos. Et aussi, dans le fond, pour m'encourager à continuer. Ou pas, mais si vous aimez pas, ça ne prendra pas. Mais si vous aimez la vidéo, ou que vous la partagez, ou que ainsi de suite, que j'ai beaucoup de vues, voilà. S'il y a beaucoup de trucs positifs, ça va m'encourager à continuer en train de former que si c'est le contraire. Ça va pas me donner envie d'en faire d'autres, donc voilà. Je pense peut-être que c'est possible que je puisse finir le champ, mais j'espère franchement pour un kilo. Mais bon, on verra comment ça se passe. J'espère qu'on va être bien. Mais bon. Donc voilà, après, donc là, voilà, dès, en fait, hier, depuis hier, j'ai fait une nouvelle série. Je sais pas si je vais changer de nom aussi. Un peu comme les vidéos du routier ou autrement, qui s'appellera peut-être les vidéos du mécano, je sais pas, peut-être. Si je pourrais, bah si je vais faire, mais je vais faire, mais je sais pas si je vais changer le nom. Donc, vu que j'ai vu, que vous avez beaucoup, sur Car Mécanique Simulator 2014, je vais le faire, je l'ai fait déjà, un épisode, le deuxième. J'ai fait le deuxième qui viendra le produit, que j'ai tourné hier, mais je ne ferai rien. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaira autant que la première fois, car il sera plus court que celui de la dernière fois. On fait la même chose. En gros, la vidéo dure 9 minutes. Un peu pas. 9-10 minutes. Et sur ces 9 ou 10 minutes, il y a... Sur ces 9 à 10 minutes, il y a... En gros, on va changer 3 éléments. Pour moi, je trouve que c'est rapide. Hein. Pour faire ce que j'ai fait dessus, c'est rapide. Mais bon, allez voir ma vidéo, vous en saurez plus. Bah, en fait, c'est la vidéo qui vient juste avant celle-ci. Et là, je tiens encore à m'excuser pour ceux qui aimaient voir mes vidéos. Même si je pense que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Et aussi ceux qui sont abonnés, par exemple, si vous voulez voir les vidéos et que je n'en ai pas mis pendant 2 semaines, j'espère que ça ne les a pas traumatisés, j'espère que non. Alors non. Parce que en fait la semaine dernière, où je n'ai pas publié de vidéos, j'étais en train de. J'étais occupé. Je ne pas faire mes vidéos. Donc j'espère que vous comprenez pas ça. Parce que là, je suis essayé de faire le maximum comme un vidéo. Voilà, donc c'est vraiment un peu bizarre. Donc on va essayer de passer le meilleur moment possible. Voilà, comme ça. Donc on va avoir un peu plus de pillage. Donc voilà, ce magnifique pillage. Enfin, pillage, c'est fou, magnifique pillage. Donc voilà.
La semaine prochaine, donc faire un simulateur, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais faire une toute petite vidéo comme j'avais fait pour si on a aidé Newton. Non, si, comment utiliser la mélangeuse. Ou comment nourrir les animaux, mais bon, je l'avais fait un peu. Non. Je sais plus ce que j'avais fait. J'ai un super mine en tout cas. Bien sûr. Bon, en tout cas, je sais que voilà. Là, pour l'instant, je reprends mes vidéos. À moins pendant un certain temps. Et j'ai pas vraiment l'intention de m'arrêter pour l'instant. Parce que j'ai été débuté, donc je n'ai pas l'intérêt de m'arrêter pour faire une centaine de vidéos. Donc je sais que quand même il y en a qui n'est pas qui regardent longtemps, mais qui, j'ai beaucoup vu quand même sur Farming. C'est un jeu qui plaît beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaira encore dans le futur, dans le passé, dans le présent, dans quelques minutes. Donc voilà. Là je vais vraiment faire en gros comme ce que je faisais avant. Bien. Je vais peut-être m'améliorer en termes de miniature sur YouTube ou en termes de... Voilà, parce que je sais que les miniatures c'est ce qui joue le plus sur YouTube. Par exemple, si je mets juste une miniature de moi dans le secteur, c'est pas parmi les retraites hein, ou dans Extreme Soccer, c'est pas le top. Donc il faut que je trouve un truc qui fasse joli. Une présentation pour mettre les communautés numéro 1, les commentaires. Voilà. Après, c'est vrai que si je fais un truc qui est basique, ça va être top. Alors que si je fais un truc au top niveau, bah, ça sera top niveau. Quoi. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire un truc au top. Le mieux possible. Mettre le plus de talent là-dedans, le plus de création possible. On va faire pour pas que ça ressemble à ceux des autres. Donc voilà, si je... Après ça peut être plein de choses, mais j'espère déjà que ces vidéos vous plaisent. Si ça vous plaît pas, je vous serai vite fait. Ben, je me serais aussi vite en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment j'espère qu'elle vous plaît. Parce que moi, je me fais plaisir quand je vous dis en votre compagnie. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir en plus que moi ça me fasse plaisir. Parce que c'est vrai que c'est pas... moi ça me fait plaisir, mais après si voilà, j'ai pas de retour, c'est pas intéressant pour les gens qui aiment bien. Donc tout ce que j'espère, c'est vraiment que... c'est vraiment ça qui me plaît. C'est que pour moi faut que vient un retour, une conversation, un rapprochement entre un youtubeur et ses abonnés et un youtubeur. Et que voilà. Si il y a un de mes abonnés qui regarde la vidéo jusqu'ici, chose qui pourrait être peut-être un petit peu rare, mais pour mes abonnés ou même pour ceux qui regardent, mais surtout pour mes abonnés parce qu'ils savent un peu ce que je mets sur ma chaîne, dites moi dans les commentaires ce que vous préférez et ce que vous pensez de ma chaîne, parce que là j'ai envie de me mettre en question et de pouvoir savoir ce qu'il faut que j'améliore pour être mieux, pour faire mieux, pour m'améliorer.
Parce que moi, c'est vrai que lui, pour moi, c'est tout fermé. S'il y a un truc que je fais mal, voilà, je vais bien parce que j'ai envie d'apprendre. YouTube, c'est pour moi, c'est vraiment un lieu d'apprentissage en gros. C'est. Voilà. Certes, il a appris beaucoup de choses sans personne, sur YouTube. Bon, je dis ça, mais c'est pas totalement vrai, vu que j'ai beaucoup regardé aussi des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire mieux. Donc voilà. Après, il y a des outils qui peuvent te servir, il y a un machin, il y a certains qui sont mieux. Okay. Mais c'est vrai que pour devenir YouTubeur, il suffit pas d'avoir des. Il n'y a pas besoin d'avoir des logiciels qui valent 500 € voire plus ou moins. Voilà. Un petit logiciel, ça suffit, même s'il faut faire un petit montage. Moi je n'utilise pas Maker Movie. J'utilise Camtasia Studio 8 ou 3 ou 7 pour faire mes montages. Mais je suis sûr qu'il y avait Vidéo Maker. Non, pas. Si c'est ça, oui. Si c'est Vidéo Maker. Je sais plus. En gros, d'origine de Windows, je sais pas si j'aurais pas la, à peu près peut-être pas la même qualité, mais globalement similaire, on va dire, par rapport à ce que je fais avec Camtasia. Donc voilà, et voilà, je sais que Sony Vegas, c'est aussi un très bon logiciel qui marche très bien, mais qui est enfin des rendus un petit peu lents. En gros, on met longtemps, parce que comme vous voyez, les vidéos, elles durent à peu près, pour certaines, une demi-heure, trois quarts d'heure, et pour d'autres, elles durent 2 minutes. Pour celles qui durent 10 minutes, ça irait super vite de faire un rendu sur Sony Vegas. Mais pour d'autres vidéos telles que Farming qui dure à peu près 40-45 minutes, c'est un petit peu. Parce que ça va durer 4-5 heures et prendre toute la place sur le disque dur. Donc il n'y a aucun intérêt. Je vois aucun intérêt à faire. Ça. Donc voilà, si il y a des trucs que vous n'aimez pas trop, je sais pas, la map par exemple, si vous n'aimez pas, dites-le-moi dans les commentaires, je vais en sorte qu'on la voie plus, très peu. Là, bon, je pense cette map peut-être la refaire, refaire quelque chose dessus, pas forcément. Je sais pas, peut-être faire une course en carboné, ou je sais pas, mais si ça intéresse des gens qui écoutent, vous pouvez me dire par commentaire, voilà, je voudrais faire un machin, une course, machin, je sais pas, mais voilà, il y a des trucs. Donc voilà, si ça vous intéresserait un peu, je peux faire des lives, là pas de live mais des multi sur Farming, mais comment dire, moi je ferai pas des vidéos, là je peux faire aussi des vidéos en multi, mais là, je sais pas parce que si mon ordi ne supporte pas, ça passe pas, mais ce que je veux dire, c'est que je peux faire le fait que là, oui, c'est à peu près droit, c'est à peu près ça. Ce serait un peu plus complexe avec le clavier, parce que là, je suis pas au clavier, je suis avec un rond. Mais ce serait encore plus complexe avec un clavier, pour me faire des trucs bien droit, comme il faut. Voilà.
C'est que l'avantage de faire du multi ou de faire du truc plus vite, par exemple là, j'aurais pu, en même temps que je faisais ça, il y aurait eu quelqu'un qui ramasserait les engrais et puis après c'était bon, c'était fini. Donc, dans le fond, c'est vrai qu'on croit, je crois aller plus vite en multi, mais bon, on voit le multi, déjà que j'ai pas une connexion superbe, donc voilà. C'est surtout ça qui joue dans le plus gros de l'histoire, mais bon. Voilà. Après, ceux qui regardent Euro Truck, en plus de regarder Fermine, dites-moi dans les commentaires si par exemple les boucles du routier que vous avez vu le dernier, là, il y a 2 semaines et demie, je crois, le numéro 3 ou 4, je ne sais plus combien. Comment, ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que je sais plus si c'est le dernier, je crois que si c'est le dernier film. Parce que j'ai trouvé que la bande son elle est super bien avec la vidéo, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi c'est, quand je l'ai vu j'avais limite des frissons. J'ai regardé la vidéo. Quand j'ai regardé la vidéo et puis que voilà, en gros j'avais des frissons, j'étais c'est superbe quoi, c'est super bien fait. C'est, mais dites-moi si tu regardes aussi si pour vous ça a l'air plutôt bien fait. Là je parle du montage, hein, pas de la vidéo en elle-même. Parce que voilà, je sais que c'est pas terrible le fait de ce que je fais sur le truc. On va voir quand je fais des vidéos un peu spéciales, on va dire, comme pour la Saint-Valentin ou pour les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, je crois que le mois prochain, je vais faire Pâques. Je vais faire la vidéo spéciale Pâques. Pâques, je vais dire. Et donc voilà, j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent. C'est vraiment le plus important pour moi. Parce que si je fais des vidéos, que bon, ça plaît pas la majorité, mais en gros, et que ça plaise au moins à quelques personnes, ça fait plaisir. Quoi. Ça fait toujours plus plaisir que de dire, ouais, ben tu n'as rien à foutre, quoi. Il y a les 3 premières secondes, et ouais, et hop, c'est fini. Ciao. Voilà. Après, si vous voulez aussi des tutoriels, par exemple, là, je sais que maintenant, il n'y aura plus qu'un jour, il n'y aura plus que le bon jeudi, où il y aura des vidéos tests, des vidéos découvertes plutôt. Ouais, des vidéos, voilà, où je teste un jeu. Il n'y aura plus qu'un jour, il n'y aura plus que le vendredi, où j'aurai ce jeu-là. Et donc, le vendredi, au bout d'un moment, je mettrai peut-être aussi des tutoriels. En plus, je vais mettre des vidéos tests. Pour la... un coup je mets une vidéo test, un coup je mets des machins, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais remplacer un peu de temps en temps les vidéos test par des tutos. Si par exemple vous savez pas comment on peut changer, modifier un mode sur Farming Simulator ou sur Overwatch 2, je peux vous montrer comment on fait. C'est vraiment tout bête, c'est tout bête. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. C'est vraiment tout bête. Ah bon, c'est tout bête. Et voilà. Et vraiment tout bête. Donc là, on a bientôt fini de moissonner le champ. Et donc voilà, on va finir les champs. Donc on va aller jusqu'au bout là-bas. Et après, on va aller acheter un petit truc sympatoche. Voilà, tac. Oh. Ah, bon. Thank you.
Donc voilà, et j'espère que la vidéo baisse. Hop, c'est fini. On va aller acheter un petit véhicule. Donc voilà, possession. Donc on a mis à 50 minutes. Mode à placer, mode par marque, mode de tracteur. Ah ouais, je pourrais le faire, lui. Non, on va pas faire un tour en quad. Ça serait un peu minable. Bon, on va faire un tour, mais pas en quad. J'ai pas envie de faire un tour en quad. Que j'ai fait moi-même. Allez, ouais. Ah non, merde, tu peux pas l'acheter. On va faire un tour en M3. Je peux acheter de la Bugatti. Ou en Dodge Charger, tiens. Allez, on fait un tour en Dodge Charger. Voilà, hop, voilà la petite bête. Donc voilà, nous sommes bientôt sur la fin, on va faire un petit tour dans cette... Ah, on n'est pas bon là. C'est un véhicule quand même qui va un petit peu. On va essayer de faire avec. Donc voilà, nous allons un peu visiter. Nous allons visiter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Là on doit avoir nos silos. En gros c'est notre ferme, voilà, ici. Et ça doit être notre ferme avec les quatre silos là-bas au fond. C'est vrai que le cas de ferme, je l'ai pas encore vu. Bien, celui-là en tout cas. Là, c'est la première fois que j'y vais. Donc là, nous avons... Qu'avons-nous? Vous voyez, graphiquement, c'est déjà pas mal. Donc là, nous avons de l'herbe. Et là nous avons de la paille. Là nous avons les remords. Nous avons un tracteur ici. Je pense que c'est là. Voilà, c'est même pas un tracteur, c'est un chargeur. Hein. Ça doit être là qu'on doit mettre on peut charger dommage ce mode, j'ai l'impression que les pneus sont un peu tordus, les roues elles sont pas bien mises. Et là il y a un train qui passe, là, un convoi de marchandises.
là on devrait pas tarder à pouvoir partir. Je sais pas, je vais te mettre. Maintenant voilà le TGV qui passe. C'est bon, le problème maintenant. Bon, je vais couper un peu là. Ah non, c'est bon. On va aller visiter un petit peu les alentours. Moi je la trouve plutôt bien cette map. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas super hein, l'intérieur. L'intérieur de cette voiture n'est pas super. L'extérieur est plutôt joli. C'est pour ça que je vais mettre à l'intérieur. Mais l'intérieur est pas terrible, terrible. Non. Donc là, on va... aller visiter. Donc là, nous avons... C'est quoi ça? Des patates? Ou des betteraves? Là, ça doit être du maïs. Pieux ou pas? Et là-bas au fond, ça doit être des... devant ça devait être des betteraves et là on doit avoir des patates. Donc là nous sommes dans un magasin où il y a des betteraves et des patates. Donc voilà, là on va là-dessus. Donc voilà, j'espère que bon, on a peut-être pas tout visité, mais bon, on est allé voir le plus gros. Donc j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, partagez, aimez, abonnez-vous pour en voir d'autres plus tard, et puis en gros que ça m'encourage à continuer. Donc voilà. Après, que ça m'encourage à continuer, et puis que, en gros, voilà, que ça puisse voilà, m'encourager à continuer et à faire de meilleures vidéos, ouais, voilà, un truc comme ça. Donc c'était mon simulateur. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo sur Far. Ah, il y a une station ici. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.